permettez que je termine mon déjeuner, s'il vous plaît? Bah oui, on est déjà au petit matin, hein. Il est l'heure de déjeuner. Tout à fait. C'est dur. C'est dur. Ah ouais, c'est dur. Quoi qu'il arrive, la dernière partie, hein. Ça, je vous dis. Quoi qu'il arrive, la dernière partie. Bon. Allez. Hop. On s'installe. Oh, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Pitié. Pitié. Alors. Ok. On est bon. À droite, ça va. À gauche, ça va. En haut, en bas. Je crois qu'on est bon. Allez, on remet ça. Ah la vache. Wow. Wow. Vous savez qu'à chaque fois que je termine une épopée, je me dis, c'est ma dernière épopée. Bien joué, monsieur le Krakoukas. Très bien joué. Ah tiens, il me manquait déjà une vie. Du coup, nous allons nous suicider. On va se petit suicider. À chaque fois que je fais une épopée, à la fin, je me dis, j'arrête les épopées, c'est n'importe quoi. Ça sert à rien. J'en peux plus. Plus jamais ça. Et puis, ben, 6 mois après, 1 an après, finalement, ça me reprend. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me ressuscite alors que je venais d'utiliser le continu, c'est magnifique. C'est magnifique. Je sais pas si on peut réussir à tuer ce boss avec 2 neurones. Je suis pas sûr, hein. Pas certain. Pas certain. Ok. Allez, on va tenter. Attention. Attention. Non. Attention. Droite, gauche. Ah, bien joué. Bien joué. Bon. Il n'y a qu'un seul sur les deux qui m'a eu. Je pense que nous pouvons continuer votre bataille. Ouh la vache. Non, c'est bon, il va pas me... Non, c'est bon, allez, go. Ouais, je sais pas quoi vous dire. C'est vrai, le truc, c'est que... En fait, la différence, c'est que là, je me moque un petit peu de le tuer ou pas, quoi. Le boss final, c'est ça, le truc. Voilà. Alors, dans les autres épopées, je m'en foutais pas. Mais là, je sais pas pourquoi... que je le tue ou pas, finalement c'est un peu du pareil au même, quoi, pour moi. C'est ça, c'est un peu ça le truc. Hop. Oh putain, oh la vache. Oh, j'ai cru que j'avais été trop juste. Ok, voilà, ça c'est pas mal. Ça ressemble vraiment pas à des chauves-souris. On dirait plutôt des espèces de Raymanta volantes, ces machins. C'est très étrange, oui, très étrange. Bon. Attention. Ok. Voilà. Logiquement, avec le poulet, ça va me restaurer toute ma vie. Oh la vache. J'ai mal partout, c'est un truc de dingue. Enfin, je suis pas là pour me plaindre, vous savez. Je fais les épopées. Oh putain, c'est pareil, qu'est-ce qu'il est chiant celui-là alors, hein. Bon allez, c'est bon. Allez. Ah, mais quel con! J'arrête le temps. Pile poil au mauvais moment, c'est magnifique. Maintenant, ok. Ça devrait aller. Voilà. Essayons d'aller choper le poulet. Hop. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Putain, mais qu'est-ce que c'est cette saleté? Je vais garder la montre, tiens. Du coup, ça va nous permettre de passer ça. Hop là, un peu plus facilement. Voilà.
Bon, par contre, ça a utilisé pas mal de cœur. Va falloir restaurer tout ceci, les enfants. Oh oui, on est qu'à 10. Faut au moins arriver à 25. Sans déconner, j'en ai marre là. J'en ai vraiment marre là. Quel jeu de merde. Mais quel jeu de merde, sans déconner, avec ces escaliers là. Ah putain. Allez, viens à droite s'il te plaît, viens à droite s'il te plaît. Ah, bien joué. Ah mais dis donc. Ah putain, en plus je vais me faire avoir. Putain. Ah, c'est même pas la peine de continuer. C'est extraordinaire, c'est extra. Une fois sur 10, pour une raison que j'ignore, l'araignée pop ici. C'est étrange, hein. Étrange. Et inexplicable. Et c'est ainsi. Allez, viens là. Putain, c'est dingue, elle est encore venue. Mais c'est fou, ça. Mais c'est dingue. C'est un truc de dingue, ce qui est en train de se passer. Oh, il est en train de se passer un truc de dingo. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi l'araignée, d'un seul coup, qui n'était jamais, ou quasiment jamais, qui n'avait quasiment jamais pop à cet endroit, d'un seul coup, elle a décidé, bien joué, elle a décidé qu'elle est pop. Hein, à coup de pop 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 pop. Bien joué. Très très belle manœuvre de notre ami Krafoukas. Très belle manœuvre. 20 sur 20 pour cette attaque, y'a rien à dire. Oh. C'est la fête. Pour respirer, faire le yoga. Faire le bon gros yoga. Le poulet devrait tout me restaurer là, je pense. Peut-être pas un. Peut-être qu'il me manquera un point de vie, mais en tout cas, on sera pas loin. On sera pas loin, ça c'est sûr. Allez, on va voir. Là, je vais les tuer. Mais non, laisse tomber, elle repop direct. Elle repop direct. Est-ce qu'elle va encore être... Elle va encore être là-bas. C'est énorme. C'est énorme. Elle n'avait pas fait chier jusque-là. Elle n'avait pas emmerdé. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Oh la vache. Oh putain, c'est dingue ça. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette araignée, d'un seul coup, m'envole?
tomber là et ne pas refaire cette erreur grossière de débutant. On descend. Toujours ce BLK dans l'interface. Hein. BLK. Ça doit être un code, une trace secrète des Russes à mon avis. Je pense que c'est ça. Un code ultra sensible. Ils ont caché à l'époque de la guerre froide dans Castlevania. Quelqu'un l'a-t-il découvert? Telle est la question. BLK. 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 L'origine du monde dans ces trois lettres. BLK. BLK. Ok, c'est bon, on a assez de trucs. Let's go. Attention, attention, il y a une espèce de Remanta qui veut. À 3 heures, chef. Allez au dodo. Dodo. Bon, faut que je me concentre. Concentration. Concentration. Moi, j'ai pas à voir tant que ça. Hein. À peine 37. Hein. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Pas énorme 37. Allez. Faut se concentrer. Pas mal, on est pas mal pour l'instant. Un coup et c'est good. Putain, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Je n'y crois pas. Vous voulez que je vous dise, je n'y crois pas. Putain. Je n'y crois pas. Pas mal. C'est sûr qu'envoyer des trucs de l'autre côté, ça va servir. Ok. On est bon. Go. 25 heures, c'est suffisant, clairement. Ah, à chaque fois, hein. À chaque fois, je vous fais avoir toujours de la même façon. Et voilà, ah ben c'est génial. C'est génial, c'est génial. C'est dingue, hein. C'est... À chaque fois, je me dis, si je me baisse, ça passe. Et en fait, non. Et c'est... Voilà, lance fait toucher. C'est génial. Heureusement qu'il y a le poulet, tu me diras. Wow. C'est dingue ça, sans déconner, je vais pas la voir ou quoi? Je vais pas la voir ou quoi? J'ai même pas l'abri du fouet si c'est bon, ça y est. Ah putain. C'est pas possible. Sans déconner, sans déconner. Ah putain, il est pas un chimor. Voilà. Deux fois, je serais fait avoir, pas une, mais bel et bien deux. C'est même pas la peine de continuer. Putain, mais c'est pas vrai. C'est dur.
devrais continuer à siffler, ça me fait beaucoup moins mal à la gorge que de parler. Hein. Là, j'espère que certains parmi vous auront reconnu. Mettez-le dans la vidéo, tiens, ça m'intéresse de savoir si je siffle correctement. Ça me fera plaisir, tiens, s'il y en a quelques-uns qui trouvent. Ça voudra dire que le Hooper sait siffler. Et c'est déjà un bon début. Oh ! Foiré ! Foiré de Raymonta ! C'est chiant. Honnêtement, je m'amuse pas. Je vous le dis, je ne m'amuse pas. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que là, quand même, j'ai beaucoup de mal à m'amuser. Entre la fatigue et le reste. Merde. C'est bon, je l'ai eu, je crois. Ouais. Pas évident, hein. Allez, c'est parti. J'ai pas fait toucher contre lui, quoique, attends. Oh putain, mais tu vois, il suffit que je dise ça pour qu'évidemment je me fasse tout. C'est toujours pareil, c'est. Putain. Un truc de fou. Allez. Bourrinage à donf. Et bon, on est passé. Bon, j'ai largement assez. Oh putain, j'ai cru qu'il allait venir sur moi, c'est pas fait. Allez, c'est parti. On va essayer de mieux jouer cette fois-ci. Puis comment tu veux? Dès le premier, je me fais trucider quoi. Dès le premier. Oh putain, il le fait juste là où je suis, c'est impressionnant. C'est vraiment, mais impressionnant quoi. Bon, là j'ai peut-être trouvé une parade. Là il va le faire là, donc je suis bon. Là je suis bon. Ah putain, ouais, j'avais plus de vie, putain. Là, vous, avez, vous imaginez que là, peut-être que si j'avais eu ma vie au maximum, j'aurais pu l'avoir. C'est fou, quoi. C'est dingue, voilà, c'est pour ça que... C'est pour ça que c'est juste gavant, quoi. Faut surtout pas que je me fasse avoir ici. Le problème, c'est que l'autre... Voilà, tout dépend de lui, là-haut. Putain, il s'exauce. Allez. Oui, c'est bon. On l'a eu. Il reste à droite. Allez. On va dire que c'est la bonne cette fois-ci. On va dire. En tout cas, et heureusement qu'il nous file les haches ici. Oh la vache. Là, s'il nous donnait pas les haches.
serait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Au moins, histoire de voir s'il y avait une quatrième forme ou si c'est terminé. Ça, au moins, ça m'intéresse. Bon, après, si on n'arrive pas à tuer la quatrième, bon, on n'y arrive pas. Hein. Mais au moins, ça, qu'on puisse au moins la voir, quoi. S'il y en a une. Bon, on a largement le temps. Surtout, Ascension, de pas tomber. Avec ces escaliers à la mort moelle neuil, on sait jamais ce qui peut se passer. C'est dingue, hein. Le corps. Comment réagit le corps, c'est... Putain. Vraiment, c'est dingue. Allez, encore un coup, et je pense que ça ira. On est à 30. Bon, allez, encore un coup. Là, c'est vraiment le dernier, cette fois-ci. C'est inutile d'en prendre plus. Voilà. Là, on est bon. Ok. Allez. Et bon. Allez. Je suis full vie et j'ai plein de cœur. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et si on ne peut pas tomber ici, c'est bien. Premier obstacle franchi. On a 39. C'est largement suffisant. Faut pas déconner quand même. Hein. Putain. Oh. Oh la vache. J'ai eu de la chance. J'aurais pu me faire avoir. Oh. Espèce d'enfoiré. Tu le sais que je suis full vie, toi. Hein. Tu le sais. Balancer une hache. Alors là, attention. Ici, je me fais à chaque fois avoir. Ouh. Ok. Allez, on a fait le plus dur. Pour une hache. C'est parti. Oh, nickel, il part de l'autre côté. Ça, c'est très très bon, ça. Très 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 bon ça. Va de l'autre côté s'il te plaît. Oui, c'est très 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 bon ça. Là on est bon. Là je crois qu'on n'a jamais été aussi bon. Ok, on est très 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 bien positionné pour notre pote. Parfait. Là je crois que ça nous est quand même pas. C'est bon. Putain, on n'a jamais été comme ça. Si je tombe, ça va m'énerver, je peux vous le dire. Putain, je l'ai pas de là. Je l'ai pas de là. Si. Attention. Attention. On se prépare. Oh. 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 Oh de Dieu. Oh nom de Dieu. Nom de Dieu. Oh putain. Oh putain. Espèce d'enfoiré. Oh. Oh nom de Dieu. Oh magnifique. Oh la vache, magnifique. Très bien fait, comme d'hab. Oh énorme, en plus on voit les deux. Alucard en premier devant le château, puis Trévor
Trevor Maid a fait beaucoup de sacrifices. Un long combat est terminé. Dracula est mort et tous ces méchants sbires esprits sont endormis. La bataille de Trevor et Alucard, mais Alucard feel quickly because he killed his real father. Il est pas content parce qu'il est triste parce qu'il a tué son père. Trevor, mais t'inquiète pas, il va ressusciter. Trevor réalise, Stan thinking about Alucard réalise ce qu'il est en étant à côté assis de Alucard. Après ce combat contre les Belmont, le nom des Belmont est honoré par tous les gens de la Terre. Et bien voilà. Eh ben dis donc, j'en peux plus. Oh la vache. Ah, c'est tout? Y a pas de crédit? Ah, attends. Ah ben si, y a des crédits. Quand même, ça m'étonnait, ça. Bon, Vampire Hunter. Si... Ah, pas un. Tiens, j'ai l'impression qu'ils ont fait des crédits marrants. Attends, voyons. Acrobat Grant Danusty. Je sais pas. Bon, enfin, en tout cas, une chose est sûre. Castlevania 3. Comment il s'appelle déjà? Je ne sais même plus du titre. Comment il s'appelle? Oui, Dracula's Curse. La malédiction de Dracula est maintenant terminée. Nom de Dieu. Non, c'est un très bon jeu. C'est un très, très, très bon jeu. Ah oui, nul doute là-dessus. Un petit peu déçu par la fin, vraiment. Je pensais que le château final serait mieux que ça. Là, j'ai trouvé ça très moyen. Je trouve qu'il y a beaucoup de niveaux qui se passent avant le dernier qui sont bien mieux, c'est ça. C'est ça. Ourson. Ourson. C'est à mettre dans les annales. Thank you very much for playing. Presented by Konami. Très bon jeu. Très bon jeu. L'épopée, c'est à vous de voir. Ah, c'est fini. Faut appuyer sur un bouton, certainement. Hop, hop, hop. Non, il se passe rien. On appuie sur Start. Ah, attends, t'es en train de me dire qu'il y a un second loop encore, c'est ça? Oh, attends. Ah ouais, regardez le score. Le score est toujours élevé. Ah oui. Ah oui, oh putain, il y a un second loop. Oh putain, ça c'est... Ah, ils sont forts avec ça quand même, Konami. Comme Capcom. Regardez, il y a un second loop, c'est sûr. Oui. Ah oui, c'est certain. Oui, il n'y avait pas les espèces de zombies violets et il n'y avait pas non plus le squelette sur le truc tout à l'heure, c'est sûr. Voyons ici. Non, là, il n'y a pas de changement, c'était comme ça. Bon, ben on se le refait, hein. Je crois qu'on est frais, hein, franchement. Allez, let's go. On est ready. On est ready. Non, j'ai trouvé les jeux très bons. Très, très, très bons. Y a pas grand chose à redire, sincèrement. Le coût des personnages secondaires est assez énorme. C'est énorme. Et le fait de pouvoir... Ah mais je l'ai toujours. Ah putain, je peux l'utiliser dès maintenant, ouais. Alucard, je peux l'utiliser. Énorme. Et le coup des personnages secondaires est juste... une excellente trouvaille, clairement. C'est... Ah, c'est... Y'a rien à dire. Non mais c'est vrai, y'a rien à dire. Qu'est-ce qu'on fait? On continue du coup? J'ai envie de continuer jusqu'à ce que je meure. Oh, oh ça aussi c'est nouveau là. Il me semble pas que tout à l'heure on a eu ce truc là. Cette espèce de fantôme là. Ouf. Ça me dit pas grand chose. Non. Non, il était pas là lui. Il était pas là. T'étais pas là toi monsieur le fantôme. Hein. Ah, il y a un second loop. Il y a un second loop, plus difficile donc. Ouais, se refaire le jeu complètement. Avec une difficulté augmentée. Ouf. Ah, je peux pas la voir comme ça. Ah si.
C'est chaud quand même. Hein. Bon, puisque tu veux te la jouer comme ça. Hop. Coucou. Ah, mais ça y est, mais attends, attends, attends. Il y avait quoi là-dedans? Ça y est. Eh, moi qui me demandais depuis tout ce temps comment on pouvait faire, voyez, pour attraper la truc qui était là-haut. Eh bien voilà. Maintenant on a la réponse. Comment on pouvait attraper? Je me disais, il y avait forcément une... J'arrive plus à trouver mes mots. Hein. Une hache. Une hache. Mais en fait non, peut-être c'est juste pour le second loup. En même temps ça m'étonne. Ça m'étonne que ça soit juste pour le second loup, j'en sais rien. Mais c'est marrant. Ah oui, là il faut sauter. Hein. Avec ces machins là. Ouh là là. Non! Je rêve. Non, item tout nouveau. Item tout nouveau. Putain, mais ça veut rien dire ce que je dis. Mob ennemi nouveau. Je rêve. Je rêve. On les a pas eu, eux. On les a jamais eu. Oh, incroyable. On ne les a jamais eu. Merde, ah merde. Comment je fais là? Attendez là. Mais merde, c'est quoi cette blague à deux balles? En fait, on est obligé de passer par le haut. Ah, d'accord, faut passer par l'escalier. Ok. Merde. Je vais y rester là. Je vais y rester en temps. Oh là là. Là 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 là. Et bien voilà, je suis mort. Incroyable. Écoute, on s'arrête là parce que je suis vraiment trop crevé. Et très étonnant, apparemment il y a des nouveaux ennemis carrément lors du second loop. Alors là, incroyable. Incroyable. Je pensais juste qu'ils auraient rajouté quelques méduses et ce genre de conneries. Ou alors tout à l'heure ils y étaient déjà et je m'en souviens plus. Des espèces de têtes de mort volantes qui remplacent les méduses. Je sais plus là, je ne sais plus. Peut-être qu'ils y étaient déjà, mais j'ai pas l'impression. Hein. Pas l'impression, je me serais fait la réflexion. Écoutons, ça va être là, donc épopée réussie. Épopée réussie, mais alors, Hooper complètement crevé, ah, complètement démonté de partout, j'ai plus de voix, j'ai plus rien, je vais aller au lit, j'en peux plus. Je suis complètement crevé. Il est 5h50, voilà, il est presque 6h. Là, il est presque 6h du matin. Ça fait quasiment 12h que je suis devant cette épopée. La vache. La vache, le jeu est énorme. Je ferai pas de conclusion, le jeu est excellent, il n'y a rien à dire, personnage secondaire, tout, la technique, le gameplay, tout est bon. J'ai pas trop aimé, le boss final encore ça va. Dracula est très bien fait quand même, c'est sûr, là quand je compare avec le Dracula du premier Castlevania qui était quand même assez moche, qui ressemblait pas à grand chose, là il est très bien fait pour le coup, dans sa première forme, même... Les trois formes sont bien faites pour la NES. Sincèrement, les trois formes sont réellement bien faites pour la NES. Ouais, ouais. Mais j'aime pas trop le stage avant. C'est le stage. Je trouve le stage raté. Il n'a pas la carrure du dernier niveau du château de Dracula. Il n'a pas la carrure, merde. Il y a un souci pour moi. À part les pendules. Il y a juste les pendules à la fin qui relèvent un petit peu le niveau. Mais tout ce qu'on fait avant, ça vaut zéro. Hein. Ils se sont plantés, là. C'est dommage, c'est dommage. Mais sinon, le jeu est énorme, le jeu est excellent. Excellentissime. Allez, on s'arrête là. Je vous dis bye bye. J'espère que cette épopée vous a plu. Et à la prochaine. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.